Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction de devoir numéro 2 concerne le premier bac, option sciences maths et sciences physiques. Donc le devoir est constitué de trois exercices. Deux exercices concernent la physique et l'exercice 3 concerne la chimie. Donc nous commençons premièrement par l'exercice 1, donc l'énoncé d'exercice. Un solide S de masse M égale 1 kg se déplace sur un trajet A, B, C, D, E. D'accord? Donc le solide part du point A, son vitesse initiale, donc il faut s'aligner sur le mot-clé. Le corps il part du point A, son vitesse initiale. Il faut ici aligner sur son vitesse initiale à partir de A. Donc sur l'effet de la force motrice, les constantes au plan, et aussi parallèle au plan AB, de l'intensité, donc l'intensité de F c'est 9 N. Donc aussi on a les frottements sont négligeables, d'accord, pas de frottement sur les parties AB. BC, CA et aussi DE. Donc la première question, énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Et il faut donner énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Deuxièmement, donner l'expression des travaux, des forces appliquées sur le solide S de A à B lorsqu'il est déplacé du point A vers le point B. La troisième question, montrer que la vitesse au point B, ici, égale la racine de 2 fois A sur N, facteur de F moins MJ fois sinus alpha, puis calculer sa valeur. Quatrième question, lorsque le solide arrive au point B, on supprime la force F, d'accord? La force F. Alors le solide continue son mouvement vers le haut et il est arrivé au point C avec une vitesse nulle, d'accord, c'est-à-dire la vitesse au point C, c'est VC égale 0. Donc il faut souligner sur le mot-clé, d'accord. Donc la question, calculer la distance BC, d'accord, la distance parcourue par le cours de B à C. Donc question 5, ou bien cinquièmement, le solide tourne du point C vers le point A, calculer la vitesse VA. La question 6, de A à B, le plan, d'accord, le plan applique une force de frottement constante d'intensité petite F égale 6 N. D'accord. Donc lorsque le corps est déplacé de A à D, il y a le frottement. Donc, le mouvement se fait avec frottement. Donc la question, calculer la distance à D, sachant que la vitesse du corps en point D, VD, égale 2 mètres par seconde. Donc la question 7, donner l'expression du travail du poids de D à E. C'est-à-dire lorsque le corps S est déplacé de D vers E. Donc la dernière question, 8, sachant que la vitesse en E il est nulle, en appliquant le théorème d'énergie cinétique entre D et E, calculer cosinus du θ et en déduirons la valeur de θ. Donc les données, la distance AB égale 2 mètres, alpha égale 30 degrés, le rayon de partie circulaire R égale 1 mètre, et l'intensité de pesanteur G égale 10 N par kilogramme. Donc il faut stopper la vidéo ici et essayer de répondre sur les questions, question par question, avant de passer à la correction. D'accord? Donc maintenant on va voir la solution. Donc, pour, nous commençons par la question 1. Donc donner ou bien énoncer le théorème d'énergie cinétique. Vous avez déjà vu dans le cours théorème d'énergie cinétique, d'accord, c'est-à-dire dans un repère ici il faut donner énoncé et masse plus
la formule. C'est pas selon la formule. D'accord? Donc, dans un repère galiléen, donc toujours la variation de l'énergie cinétique, delta OC, égale, d'accord, d'un corps solide qui est en mouvement, soit en translation, soit en rotation, est égale la somme algébrique, d'accord, égale la somme algébrique, des travaux de toute force, de toutes les forces extérieures exercées sur le corps entre deux instants, ou bien deux positions A et B. Et on écrit delta OC, d'accord? On écrit delta OC égale OCB moins OCA égale la somme des travaux, donc W sigma de W de F de A vers B. D'accord? Donc, théorème d'énergie cinétique, il faut connaître par cœur. Donc pour la deuxième question, donner l'expression des travaux, des forces appliquées sur le solide de A à B. D'accord? Donc le corps, lorsqu'il est déplacé de A vers B, le corps S, c'est le système étudié. Quelles sont les forces exercées sur le système étudié? Donc il y a, premièrement, c'est le poids du corps, c'est-à-dire P, il est dirigé vers le centre de la Terre. Et il y a aussi la réaction du plan AB, donc puisque le mouvement sans frottement, d'accord, c'est le frottement sans négligeable, donc R est perpendiculaire ici, et F, d'accord, la force, F, la force motrice qui est parallèle à le plan AB. Donc nous commençons par le choix de repère, donc choisir un repère posé, d'accord. Origine ici. Donc l'expression des travaux, donc on commence par le poids, d'accord, le poids de W de pi de A et B, toujours égal mg z A moins zb, d'accord, la coûte de position initiale moins la coûte de position finale. Donc ici, il faut déterminer ZA et ZB ou bien la différence entre les deux. Donc ici, lorsqu'on fait la projection, ZA qui est égal à 0 et ZB qui est là, donc il y a deux cas. Donc soit on détermine la différence qui est négative, donc ZA moins ZB, donc ZA est égal à 0 et ZB qui est là avec le moins, il est négatif. D'accord? Donc sinus de alpha va égal ZA ou bien moins ZA moins ZB sur AB. D'accord? Ce qui implique que ZA moins ZB égale moins AB fois sinus alpha. Lorsqu'on remplace ici, prouve moins MG sinus N moins MG AB fois sinus alpha. Donc, ici, le poids, il est résistant. Il est clair, le mouvement se fait dans le sens vers le haut, et attire le corps vers le bas. Donc, le poids est négatif, ça il est aussi négatif. Toujours il faut faire attention pour vérifier si l'expression est vraie, il est correct ou non. Donc pour calculer le travail de F, donc W de F, toujours d'après la définition, c'est le produit scalaire de F scalaire AB égale F fois AB fois cos, angle entre les deux. Donc l'angle entre les deux, donc AB il est là, et F il est là. Donc l'angle entre les deux, c'est 0. Donc cos de 0, c'est 1. Donc l'expression de travail de F, c'est F fois AB. Donc pour le travail de R, de A à B, égale à 0 joules, donc car on a R, il est perpendiculaire à AB, tout le temps, au cours du déplacement, d'accord? Parce qu'on a le frottement, il est négligeable. Donc maintenant, on passe à la question 3, donc montrer que VB égale la racine de 2AB sur M, le tout facteur de F moins MG fois sinus alpha, et calculer sa valeur. Donc on fait, donc aussi pour calculer la vitesse en P, donc on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. D'accord? Donc toujours, on a déjà parlé du système étudié, on a calculé ou bien déterminer l'expression du force, d'accord, force exercée sur le corps entre A et B. Donc d'après le théorème d'énergie cinétique,
on écrit delta aussi, de A et B égale aussi B moins OCA, égale la somme des travaux, donc c'est le travail de Pi plus le travail de R plus le travail de R. Donc on a d'après les données le corps S par son vitesse initiale de A, d'accord, ici. Donc implique VA égale 0 mètre par seconde, ce qui implique que l'énergie cinétique en A est nulle, d'accord, c'est A, il est à 0 joule. Donc on remplace ici, donc l'expression, puisque le corps est le moment de translation, on remplace l'énergie cinétique en P par 1 de mes mv carré. Le CA est nul. Le travail de Pi, on a déjà montré qu'il est égal moins mg à Pi fois sinus alpha. Le travail de F est égal F fois AB. Le travail de R est nul. Donc on trouve l'expression suivante. Donc, si et on a pour trouver VB, donc on multiplie ici par 2, on divise par n. Donc le facteur, c'est 2 et b et n, lorsqu'on factorise ici par n, parce qu'on a divisé par n. Et b carré, c'est b, c'est la racine de tout. Donc on trouve l'expression. On fait l'application numérique. Après les données, on a b égale 2, fois 2 sur m égale à 1 kg. Et ça, donc 1 fois 10 sinus 3 degrés qui est 1 demi, donc 1 demi fois 10 c'est 5, 5 moins, donc 9 moins 5 c'est 4, donc 4 fois 4 c'est 4 carrés, avec la racine c'est 4 mètres par seconde qu'on trouve la valeur de VB. Donc la vitesse de B c'est 4 mètres par seconde. Maintenant pour la question 4, donc la question 4, lorsque le solide arrive au point A, on supprime la force F, d'accord? Plutôt au point B, on supprime la force F. Donc, le solide continue son mouvement vers le haut et il est arrivé au point C sans vitesse. D'accord? Vitesse, une ligne, on sait, c'est-à-dire VC égale 0. Donc, calculer la distance BC, ici. Donc, le corps ici va subir à deux forces. C'est seulement l'action, d'accord? L'influence, ou bien la réaction du plan, c'est R, et le poids. D'accord? Pour calculer la distance BC, si on applique le théorème d'énergie cinétique entre B et C. D'accord? On écrit delta OC entre B et C égale EC de C moins EC de B égale le travail de Pi de B et C plus le travail de R de B à C. D'accord? Donc, puisque le corps il arrive à un point C sans vitesse, donc par conséquent, l'énergie est libre, l'énergie cinétique, donc 0. Ici, c'est 1 moins 1 demi, mvp carré. Le travail du poids, par analogie, par notre question, on a déjà montré que lorsque le corps se déplace sur A et B, le travail du poids égale mg fois AB fois sinus alpha. Donc ici, la même chose. Donc ici, ça, c'est l'angle alpha. Trace ici la droite qui est parallèle à ce plan, donc c'est l'angle alpha, donc on trouve BC fois sinus alpha. Donc, pour calculer BC, d'accord, donc BC égale V carré, on simplifie par M, elle reste sous le mot de G sinus alpha. On fait l'application numérique, on trouve BC égale 1,6 mètres. D'accord, donc pour la question 5, maintenant, donc pour la question 5, le solide tourne C lorsqu'il est arrivé ici avec une vitesse égale à 0. Il tourne vers le bas, d'accord? Il tourne vers A. Et jusqu'à j'ai un nom C, A. Donc maintenant, il faut calculer la vitesse au point A, d'accord? Dans le départ, il est placé vers le haut. Son vitesse, donc au point A, la vitesse, il est nulle. Son vitesse initiale. Donc maintenant, lorsqu'il est arrivé au point C, il va tourner vers A. Donc il faut calculer la vitesse en point A. Donc pour calculer la vitesse, donc toujours on applique le théorème d'énergie cinétique, un théorème plus général que le théorème des moments ou bien condition d'équilibre d'un corps soumis à trois forces, et aussi le principe d'inertie, donc il est très très général. Donc il permet de calculer soit la vitesse, soit la distance, l'intensité de la force, la vie. Ici,
la masse du corps, etc. Donc, on a déjà vu le résumé. Vous pouvez revenir à la vidéo précédente qui fait le résumé du travail et l'énergie cinétique pour connaître l'intérêt de théorie de l'énergie cinétique. Donc, ici, on va calculer la vitesse A. Donc, pour cela, on applique théorème d'énergie cinétique entre C et A. Donc, on écrit delta OCA égale aussi au point A moins aussi au point C. D'accord? Les forces exercées sur le corps, si le poids et l'action du plan AC, d'accord? Le mouvement sur le plan AC, c'est son frottement. Donc ici, la vitesse au point A égale, bien l'énergie cinétique égale m de mvA. Et les tournures de C sont vitesse initiale, d'accord? Parce que le corps il est arrêté au point C, C égale 0. Donc l'énergie cinétique en C va être nulle, donc c'est 0. Le poids ici, d'accord? Le travail du poids, donc le corps il est son donc le poids il est moteur. Dans ce cas-là, on a ZC moins ZA, c'est la distance qui est là. Donc on utilise sinus alpha égale ZA moins ZC, qui est positif, sur la distance CA. D'accord? Donc lorsqu'on remplace, on trouve MG CA fois sinus alpha. Donc le travail du poids il est positif, d'accord? Parce que le poids, il tire le corps vers le bas. Et le corps aussi déplacé vers le bas, donc le travail, le poids, il est moteur. Donc le travail de R est nul, égale 0 joule, parce que R est perpendiculaire au déplacement CA. Donc on simplifie par N, on multiplie ici par 2, d'accord? On produit la racine, on trouve VA égale la racine de 2 CA fois G fois sinus alpha. Donc on fait l'application numérique, on trouve la valeur de la vitesse en A, qui est égale 6 mètres par seconde. Donc maintenant, pour la question 6, donc la question 6, donc le corps est déplacé maintenant de A à T. Donc le plan applique une force de frottement. Le corps S est déplacé de A à D. Le plan AD applique une force de frottement constante d'intensité petite f égale 6 newtons. Calculer la distance. Donc maintenant, il faut calculer la distance AD. Donc sachant que la vitesse du corps au point D, c'est VD égale 2 mètres par seconde. Donc, cette question aussi du point, un point. Donc pour calculer la distance, donc, toujours c'est. On applique théorie d'énergie cinétique. Donc le corps S, au cours de ses déplacements, il se met à deux forces, d'accord? Le poids, pi, ici, et R, qui est incliné, parce que le moment, il est avec frottement. Donc R, dans ce cas-là, il possède deux composantes. Composante Rn, qui est normale, et la composante tangentielle, c'est la force de frottement, l'amplitude F. D'accord? Donc, d'après la théorie d'énergie cinétique, on écrit delta EC de A à D égale OCD moins OCA, le travail de pi de A et D plus le travail de R, qui est, on a dit R possible de composante, c'est Rn et petite f. Donc, on fait W de égale Rn de D de A à D plus W de petite f de A à D. D'accord? On a la vitesse au point D en A, donc aussi D égale n de mai mvd carré moins n de mai mva carré. Donc le travail du poids ici, le poids pi, il est perpendiculaire avec vecteur de déplacement AB, donc par conséquent, le travail est nul. La même chose pour Rn, il est perpendiculaire à AD, donc Rn égale à 0. Elle reste seulement le travail de F. Donc le travail de petit f, il est dans ce sens, dans le sens inverse du déplacement. D'accord?
Donc le travail égale F fois AB fois cos, l'angle entre les deux, donc F dans ce sens et AB dans ce sens, donc l'angle c'est pi ou bien 180 degrés. Donc cosinus de pi égale moins 1. Donc pour cela on trouve le signe moins. Donc le travail du petit F est du négatif, d'accord, parce que le corps est placé dans ce sens, et petit F sur le corps en arrière, donc le travail il est résistant. Et on a vraiment trouvé l'expression, il est négatif. Et donc, maintenant pour déterminer D, c'est, on a l'expression là, donc n demi ou m sur 2 égale facteur de d carré moins a carré, on divise par petit f, on trouve d. D'accord? Ici, le signe moins, multiplié ici par le signe moins, c'est v a moins vd. On trouve m sur 2f facteur de VA moins VD. Application numérique, on trouve la distance de D qui est égale à 2,66 mètres. Toujours la distance, il est en mètres. C'est international parce qu'on a m en kilogramme, l'unité internationale, f en newton, l'unité internationale, et aussi les vitesses sont en mètres par seconde, c'est l'unité internationale. On trouve D en mètres, c'est pas centimètres. D'accord? Pour la question 7, donc donner l'expression du travail du poids, d'accord? Travail du poids, lorsque le corps déplace de D vers E, d'accord? Ici. Le corps déplace de D à E, il faut déterminer l'expression du travail W de pi de D. Donc toujours on a l'expression c'est mg moins z plutôt fois zd moins za parce qu'on a dit pour le cours le mouvement ou bien le travail du poids ne dépend que de position initiale et de position finale, il ne dépend pas de chemin suivi, d'accord. On écrit W, donc ici on a choisi un repère et un axe en z dirigé vers le haut, l'origine c'est D. Donc, l'expression, c'est la projection de E, c'est Z. D'accord? Donc, cette projection, c'est H. Parce qu'on a besoin de déterminer ZD et ZE. Donc, l'expression du travail du poids, d'accord? C'est MgZD moins CA. D'après la figure ici, on a dit c'est l'origine, donc ZD égale à 0. Reste seulement ZE, donc nous pouvons remarquer que si on dit c'est petit S grand R, d'accord? Un grand R. Donc R va égal Z plus OH, cette distance. Donc c'est-à-dire Z égale R moins OH. Donc OH qui est là, cette distance-là, nous pouvons utiliser cosinus de θ égale OH sur R, d'accord? On remplace OH par R cos θ, c'est-à-dire ZE égale R facteur de 1 moins cos θ. Donc on remplace ici. On trouve l'expression du poids est égal moins mg fois R facteur de 1 moins cos θ. Donc l'expression, donc toujours cos θ, il est compris entre moins 1 et 1. Vous avez cette propriété dans cours de mathématiques. Donc, ici le poids il est négatif, d'accord, le poids est négatif, donc c'est normal parce que le poids sur le corps vers le bas et le corps il sont vers le D vers haut, vers E, d'accord, vers le haut. Donc, l'expression il est bon. Donc, maintenant pour la dernière question, question 8, d'accord, pour la question 8. Sachant que VE égale à 0, d'accord? Le corps il est arrêté ici, VE égale à 0. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre D et E, calculer cosinus de θ et en déduire la valeur de θ. C'est une question, un point. Exercice 8,5 points. Donc, pour cela,
On a déjà déterminé l'expression du poids entre C, le corps bien système étudié sur le corps S, on applique théorie d'énergie cinétique entre D et E. D'accord? On écrit l'état aussi de D à E égale aussi E moins aussi D égale le travail du poids plus le travail du R. Puisqu'on a d'après les données, force de frottement il est négligeable ici. D'accord? Donc le poids de R égale 0, parce que R il est toujours perpendiculaire à chaque instant, il est perpendiculaire sur l'arc, l'arc DE. D'accord? Pour le déplacement élémentaire, par exemple ici il est perpendiculaire, il est là, il est perpendiculaire, etc. Donc le travail de R il est nul. Il reste le travail de pi, on a déjà déterminé, c'est moins mg r facteur de 1 moins cos theta. Pour l'énergie cinétique EE, donc la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique est nulle. On dit c'est le moins, moins, l'expression c'est m de b mv d carré. Donc on cherche, d'accord, on cherche cos theta. Donc pour cela, on simplifie premièrement par le c'est moins, on divise ici par mgr. Donc m avec m va simplifier, il reste vd carré sur 2gr qui est égal 1 moins cos theta. Donc cos theta égale 1 moins vd carré sur 2gr. On fait l'application numérique, d'accord? On remplace v, c'est 2, on a déjà trouvé d, d'accord? Vd égale 2 carré sur 2 fois g c'est 10, ça on trouve 0,8. D'accord? Donc pour trouver cosinus, pour trouver plutôt, on déduire theta, donc calculatrice, vous avez, bien aller vers le chiffre, shift, puis cos moins 1 de 0, d'accord? De 0,8. Calculatrice, theta égale, sur shift, on a cos. Cos moins 1. Donc shift cos, la peine de calculatrice cos moins 1, la valeur ici c'est 0,8. On trouve la valeur de l'angle θ à peu près égale 36 degrés. Hier. Donc on a trouvé cette valeur de θ. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager la vidéo avec les amis qui tiennent le faïda. Wassalamu alaikum. N'tlaqaw inshallah. N'tlaqaw le tsahih d'exercice 2 et 3. Allez, bon courage. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser des commentaires.